le sait, vous faites, mais ça c'est du passé. Maintenant j'écrase les autres pour qu'on me laisse passer. Tant que j'ai ma place, les autres peuvent se tasser. Si quelqu'un tombe, c'est pas moi qui le ramasserai. Partout derrière moi, ça pousse devant moi, ça traîne. Un peu comme si on était bloqué dans une file indienne. Je suis en marche et j'ai pas le temps d'avoir la peine. Pour ceux que j'écrase et je suis pas tout, certains me comprennent. La vie c'est comme un très long couloir de métro. Pour faire ta place, faut laisser de côté tes principes. Donc c'est pas parce que je fais de la musique de bobo que j'ai pas le droit de me faire kiffer en posant cet ego trip. C'est pour ma gueule, c'est pour ma gueule. Je donne rien, c'est tout pour moi, c'est pour ma gueule. C'est pour ma gueule, c'est pour ma gueule. Je donne rien, c'est tout pour moi, c'est pour ma gueule. Partant de ma doctrine, je file prendre mon train. En arrivant dans la gare, une foule s'amasse, putain. Un autre jour, je me serais sûrement dit c'est rien. Mais désormais, c'est décidé, plus rien ne me retient. Je passe en force et je pousse tout ce bétail sur les rails. Je m'en bats les coups de passer pour un connard, moi je travaille. On est trop nombreux sur terre, je mérite même une médaille. Et je les empêche de remonter avant que le train s'en aille. Quand j'étais petit, on était 6 milliards. Maintenant, on est 7 milliards. Si je fais rien de part, je serai de 11 à 9 milliards. Je fais ça pour plus tard. Fermeture automatique et porte attention au départ. Et j'écrase tous ces petits bâtards. J'entends les roues du train qui les sépare. En plein de petits bouts, des bouts partout. Bout de cerveau, bout de mâchoire. Pour ma gueule, pour ma gueule. Pour ma gueule, pour ma gueule, pour ma gueule. Perdu dans mes pensées, je me dis que j'ai fait ma place et que je me suis réalisé et que j'ai su cocher toutes les cases du bonheur du jeune entrepreneur actif et mondialisé. Je pose ma guitare à côté pour que personne ne s'assoie. Tout ce que je suis devenu, je ne le dois qu'à moi. Dans le wagon d'à côté, j'entends qu'au nom de la loi, on vient m'arrêter, mais j'ai confiance et je garde la foi. On tue toujours le messager pour qu'il se taise. Le message au final n'est que renforcé. Et j'aurai tout un tas d'apôtres qui développeront ma thèse. Ainsi j'accéderai tout simplement à la postérité. Pour ma gueule.